Voilà. Parfait. Ça vous empêchera de vomir. Ah bon? Oui. Ça vous empêchera de vomir quand vous devrez prendre le reste. Vous avez jamais été prof de ukulélé, vous, hein? Vous n'allez pas recommencer. Si, si, y a bien un jour où j'ai le droit de recommencer, c'est aujourd'hui. Jusqu'au bout, hein? Oui, jusqu'au bout. Non, non et renom. Je n'ai jamais été prof de ukulélé. Alors pourquoi vous avez répondu à l'annonce? J'avais besoin d'un travail. J'aurais pu vous virer. Vous m'avez jamais rien appris. Vous vouliez jouer du flamenco au ukulélé. Personne ne vous aurait appris ça. Et puis vous ne m'avez pas viré, vous voyez. J'avais besoin de vous. Tu te rends compte? Ils lui ont offert un sous-main en sky et un pot à crayon. Quoi? Ils ont offert à Jojo un sous-main en sky et un pot à crayon. Pour un départ à la retraite, franchement, ils auraient pu mieux faire. Il sait même pas écrire. Je suis sûr qu'il l'a même pas déballé. Si j'étais lui, je le revendrais sur eBay. Ils auraient pu lui offrir un voyage, je sais pas, moi. Un truc qui sorte de l'ambiance du boulot. Là, c'est comme s'ils le mettaient dans un carton et qu'ils allaient le remiser au grenier, c'est pareil. Ou à la cave. Mais... quand je pense à tout ce qu'il a fait pour cette fichue boîte... Ouais. Il a bossé sacrément, lui. Je sais pas, ils auraient... Mais même une valise à roulettes. Qu'est-ce que ça fait d'offrir une valise à coulettes? Ça coûte rien. C'est... qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'en pense qu'il a bien de la chance. Et que tu t'en rends même pas compte. Parce que lui, il est à la retraite. Vous faisiez quoi quand je vous ai embauché? J'étais physicienne. Physicienne? Comme moi? Bah ouais, comme vous. Physicienne. Et vous travaillez sur quoi? Sur la température de l'enfer. Sur la température de l'enfer? Et celle du paradis. Et celle du paradis maintenant, n'importe quoi. On a beau être physicienne, on n'en a pas moins une âme. Et j'avais envie de savoir ce qui peut m'attendre dans l'au-delà. Un peu de patience. Je vais bientôt pouvoir vous renseigner. J'en doute. Les témoignages des revenants ne sont guère concluants, vous savez. Vous préférez utiliser les lois de la physique pour calculer la température qui règne dans ces deux lieux post-mortem? Exactement. Et comment récolte-t-on des indices objectifs? En s'appuyant sur les meilleures sources en la matière, la Bible. La Bible maintenant, n'importe quoi. Non, non, je vous assure. Il y a un passage dans le livre d'Isaïe qui décrit l'atmosphère du paradis. La lune y brille comme le soleil sur terre et la lumière reçue de notre étoile est 49 fois plus brillante que celle tombant sur le sol de notre planète. Vous connaissez? Un peu. Donc, le rayonnement des cieux est 50 fois plus important que celui au sol. Après application de la loi de Stefan Boltzmann, on obtient donc une température du paradis à 525 degrés. Les ailes des anges sont certainement ignifugées. C'est malin. Il faudra prendre les deux flacons. Lequel d'abord? Les deux ensemble, on les mélangera. C'est un luxe aujourd'hui, tu sais, Jean-Jacques, d'arrêter de bosser à 60 ans. Regarde tes nièces. Elles partiront pas à la retraite avant d'avoir 100 ans. Ouais. Elles partiront en même temps, mademoiselle. Elles sont jumelles. Reculer l'âge de la retraite, moi je pense que c'est pas une solution. En plus, ça prend la place des jeunes. Bah ouais, regarde Clotaire, le fils d'Étienne et Valérie. Même Dylan, le fils de Colette et Jean. Et je te parle pas de Marie Edwige, hein, la fille de Paul. Par contre, je dirai pas le nom de son père, parce que son père... je suis pas en bon on s'entend pas bien. Et d'ailleurs, Marie Edwige a de super diplômes, hein. Pourquoi, t'as des enfants, toi, peut-être? Non. Faut travailler longtemps parce qu'on vit plus longtemps. C'est aussi simple que ça. Enfin, excuse-moi, si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on s'arrête de travailler plus tôt. Hein, c'est parce qu'on s'est moins tué à la tâche et qu'on est plus en forme. Tu parles. T'as vu dans quel état physique t'es, toi?
Je sais pas, moi on m'a toujours dit que la retraite c'était les plus belles années de sa vie. J'aimerais bien essayer d'en profiter un petit peu. T'en profiteras avec tes deux hernies discales. T'as vu Jojo ? Il s'emmerde déjà affreusement. Et pour l'enfer alors ? Dans l'Apocalypse, on trouve un indice. Il y est dit que la place des lâches, des infidèles, des menteurs, des êtres abominables, des meurtriers, des personnes immorales, de ceux qui pratiquent la magie ou adorent les idoles est dans... Le lac de soufre enflammé, ce qui est la seconde mort. Exactement. Et le point d'ébullition du soufre se situe à 444,61 degrés. Au-delà, il devient gazeux. Il fait donc moins chaud en enfer qu'au paradis. Alléluia ! J'en connais qui vont pouvoir se réjouir. Les deux flacons, il faudra les mélanger. Vous me l'avez déjà dit. Il y a quelque chose qui ne colle pas. La température de l'ébullition d'un élément dépend de la pression environnante, non ? Si. Et la géhenne, où se situe l'enfer, est un endroit au volume restreint. Là, je ne vous suis pas. Les milliards et milliards de pêcheurs qui s'y sont retrouvés depuis la création du monde ont dû faire augmenter la pression. Attendez. À la louche, 14,5 milliards de fois la pression atmosphérique terrestre. Et donc ? Dans ce cas, le soufre est liquide à des températures bien plus élevées que 525 degrés. Donc, le bon sens reprend son droit. L'enfer est bien le pire endroit à visiter après la mort. Peut-être. Sûr. Le flacon orange, vous verrez, il a un goût d'orange. Moi, je pense que vous vous trompez. Quoi ? Je pense que vous vous trompez. Non, c'est certain. Il faut mélanger les deux flacons, celui-là qui sent l'amande et celui-là qui sent l'orange. Vous vous trompez sur l'interprétation du livre d'Isaïe. Le rayonnement lumineux reçu chez Saint-Pierre n'est que 8 fois, et non pas 50, plus important que celui reçu sur Terre. Peut-être. Ce qui ramènerait la température du paradis à 231 degrés. Ça reste chaud. Très chaud. Mon avis, pour sauver le système, faudrait qu'on fasse tous comme Johnny. Il a 70 piges, il fait toujours des concerts. Enfin, Johnny, c'est pas... Enfin, chanteur, c'est un métier, ça, c'est... T'as raison. Johnny, c'est un mauvais exemple. Oui. T'as vu dans quel état il est, lui ? Oh, putain. Et t'as vu les pépins de santé qu'il a eu ces dernières années ? Terrible. Et tu sais que lui, il a une hernie discale. C'est vraiment pas raisonnable de continuer à trimer quand on est épuisé comme ça. En fait, faudrait pouvoir partir dès qu'on se sent trop faible, tu vois ? Partir vraiment, si tu vois ce que je veux dire. Je vois pas vraiment, non. Comme en Suisse. Ou en Belgique. Dès que t'en peux plus ou que tu souffres trop, tu laisses la mort venir en ami. Pas pour te punir. Un peu comme si elle te donnait la main. Pour passer doucement et avec courage. Juste en t'endormant. Apaisé dans les bras de quelqu'un. Tu vois comme ça, elle est pas cruelle la mort. Ah, tu me files la chair de poule. C'était quand même une drôle idée de vouloir jouer du flamenco ukulélé. Ouais. J'aurais tellement voulu devenir le Paco de Lucha du ukulélé. Et vous auriez pu jouer dans les Gypsy Kings. Olé. Ça y est, vous êtes prêts? Vous me faites le mélange? Si vous voulez. J'aimerais bien, oui. Voilà, c'est prêt.
vous allez me manquer. Vous allez faire quoi après ? Chercher un autre travail. Dans la physique ? Je ne crois pas, non. Allez, buvez. Ah, on dirait les oranges amères de ma mère. Vous aussi, vous allez me manquer. On ferait mieux de prendre l'escalier. Si ça tombe, Jojo, il va mourir demain. Ou toi, peut-être. Enfin, arrête. Et sa retraite, il aura même pas eu le temps d'en profiter. Qu'est-ce que tu faisais, toi, avant de bosser avec nous? J'étais physicienne.